Vous distinguez différents discours sur l'Indo-Pacifique. Il y en a un premier, on a commencé à l'aborder à propos des États-Unis. On va voir une carte donc, où on voit la présence des États-Unis dans cette zone. Vous parlez à propos des États-Unis de discours projectif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le vocabulaire de l'Indo-Pacifique pour les États-Unis vient légitimer une projection de force renforcée dans la région. Donc il y a cette idée que l'Indo-Pacifique, on le disait tout à l'heure, est une vision d'abord stratégique et politique de la région qui doit donner lieu à des partenariats et à un renforcement de la présence militaire américaine pour assurer la liberté de navigation, donc la protection finalement des voies maritimes, aussi bien face à des menaces qui sont considérées comme des menaces relevant de la sécurité élargie, menaces non militaires, criminalité à la mer, piraterie, trafic, etc., que des menaces qui pourraient résulter d'une présence croissante et de plus en plus assertive de la Chine dans la région. Oui, il y a beaucoup de conflits dans les mers, évidemment, qui bordent la Chine. Je reste avec vous sur un autre type de discours que vous identifiez comme étant plus inclusif ou régionaliste. On va voir une autre carte qui montre bien à quel point cette vision est différente, puisqu'elle est plus large, c'est-à-dire qu'elle va jusqu'aux côtes de l'Afrique en partant depuis la façade pacifique des Amériques. Mais en termes plus qualitatifs, qu'est-ce que ça veut dire plus inclusif? Est-ce que ça veut dire que c'est un peu moins confrontationnel par rapport à la Chine? Oui, alors pour beaucoup d'États asiatiques, et sur la carte vous avez l'ASEAN qui a publié à l'été 2009 une vision de l'Indo-Pacifique qui correspond en fait à ce qui était depuis plusieurs années la vision de l'Indonésie qui a été promue au niveau régional. L'idée est de ne pas s'opposer frontalement à la Chine parce qu'on est dans une position qui est complexe. Donc par rapport aux États-Unis qui ont une posture plus confrontationnelle, pour les États membres de l'ASEAN, l'idée relève plutôt de ce qu'on va appeler le hedging, c'est-à-dire de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de multiplier les partenariats. Ça correspond à la vision traditionnelle du régionalisme de l'ASEAN. C'est nations d'Asie du Sud-Est. Oui, ouais. Tout à fait. C'est l'organisation effectivement régionale Sud-Est asiatique, donc qui est composée des 10 États d'Asie du Sud-Est. Et ouais. En fait, la vision de l'ASEAN consiste à dire on a beau être des petits États par rapport aux grands géants de la région, l'important c'est d'être dans le siège du pilote et de fixer les normes en matière de coopération régionale et donc finalement d'organiser en cercle concentrique autour de cette région ce que va être la coopération régionale. L'ASEAN l'a fait avec plein d'organisations qui relèvent plutôt du politique, de l'économique ou du stratégique. Et le fait de publier une vision aséanienne de l'Indo-Pacifique, ça a mis un petit peu de temps parce que les États n'étaient pas d'accord précisément sur la posture à adopter vis-à-vis de la Chine. Mais il y avait cette idée de dire on va essayer plutôt de promouvoir une approche inclusive de l'Indo-Pacifique qui s'étendent jusqu'à la Chine et qui consistent, je reprends les termes exacts de la vision aséanienne de l'Indo-Pacifique, il s'agit de connecter les connectivités, c'est-à-dire de faire en sorte de renforcer aussi bien sur le plan infrastructurel que sur le plan politique la connexion entre les deux océans, avec l'idée que l'ASEAN est là comme pivot au milieu de ces deux océans. Vous, dans votre article que je citais en début d'émission, vous aviez l'air de dire que le discours français était un peu intermédiaire entre la vision des États-Unis et la vision plus régionaliste. Oui, parce que tout en ayant une approche de l'Indo-Pacifique qui converge avec l'idée que c'est une région qui doit être basée sur des valeurs, l'idée d'un Indo-Pacifique libre, ouvert, fondé sur le respect du droit international, en particulier en mer et en mer de Chine méridionale, la France partage cette vision, mais est beaucoup plus proche dans sa représentation des équilibres régionaux de ce qu'est la vision aséanienne fondée sur la coopération régionale. Et donc la France a tendance à se rapprocher d'ailleurs de l'ASEAN. Elle en est devenue l'année dernière, en 2020, un partenaire stratégique. Et l'objectif de la France est d'arriver à s'affirmer et à se faire accepter, puisqu'on ne peut pas simplement l'affirmer de façon unilatérale, comme un État appartenant pleinement à la région. La diplomatie française réaffirme régulièrement que la France est une puissance de l'Indo-Pacifique
l'Indo-Pacifique. Ça a été très mal perçu d'ailleurs à plusieurs reprises sous la présidence Hollande. La diplomatie chinoise avait répondu assez vertement au ministre de la Défense français que la France était géographiquement en Europe, ce qui était une manière de dire vous n'avez rien à faire dans la région et dans ses équilibres politiques et stratégiques. Mais la France réaffirme, en ayant adopté depuis 2016 pour le ministère des Armées le vocabulaire de l'Indo-Stratégique, la France affirme qu'elle appartient à cette région, qu'elle y a 2 millions d'habitants, qu'elle y a la deuxième zone économique exclusive et qu'elle a donc pleine légitimité à porter un discours sur l'Indo-Pacifique.